ceux qui peinent à prononcer son nom, il propose de l'appeler Modeste, la contraction de moderne et d'honnête. Wojciech Modeste Amaro est comme ça, drôle, hyperactif, passionné et malin. C'est à Varsovie, dans son restaurant L'Atelier, qu'il conjure les privations passées du communisme en remettant au goût du jour les traditions perdues de la cuisine polonaise. Au rythme de la nature, ce chef aux ambitions multiples cherche en permanence à offrir l'essence même de son pays. La forêt est devenue son terrain de jeu et une puissante source d'inspiration. Mousses, herbes, baies, champignons et gibiers vont rythmer une journée passée en sa compagnie, qui débute sur les rives de la Vistule. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez réussi à pêcher? On a des brèmes frais aujourd'hui. Oui, on a du beau poisson. Du gardon, du carassin, de la perche, que du poisson blanc. J'en ai 8 pièces. Ça vous va? C'est parfait. À chaque fois que je rencontre mes fournisseurs, je ressens de l'excitation. Je considère que 60% du succès en cuisine revient au produit. Il ne reste en fait que 40% pour cette partie modeste, qui dépend de moi. Quel type de filet aviez-vous posé? Une maille de 80, 8 cm sur 8. Donc les petits poissons s'échappent? Oui, le petit poisson s'échappe. Il ne reste que le plus gros. On pose les filets le soir entre 18 et 20 heures et on les remonte vers 2-3 heures du matin, des fois jusqu'à 4 heures. Donc le poisson est vraiment très très frais. Bon, je vous remercie. C'est parfait. Merci beaucoup. Allez, j'embarque ça. Ces rencontres avec les gens, la possibilité d'échanger avec eux, sont les meilleurs moments. Avant tout, c'est une forme d'éducation pour moi. Apprendre est l'un des éléments les plus importants de mon travail. Quand je pense à la Pologne, je vois un champ de possibilités infinies. Aujourd'hui, nous avons une richesse extraordinaire de produits naturels qui attendent simplement d'être découverts. Nous sommes à Varsovie, à la Almirovska. Ici, pendant les années de communisme, on ne pouvait pas acheter grand-chose, seulement les produits de base. Mais aujourd'hui, les producteurs de toute la Pologne viennent sur ce marché et le choix de marchandises y est extraordinaire, immense. On peut trouver à peu près tous les produits du monde. Mais la particularité de ce lieu, et c'est ce qui compte pour moi, c'est que j'arrive à convaincre les vendeurs de m'apporter des produits que normalement personne n'achète. Des baies, des herbes sauvages. Je peux donc y trouver tout un assortiment de produits dont j'ai besoin dans mon restaurant. Ces noix-là, vous pouvez m'en donner 3 kilos? Celles-ci, les grosses? Oui, celles-là. Et 1 kilo de ces petites prunes. À l'heure actuelle, nous assistons à une prise de conscience croissante liée à la nourriture et à l'alimentation. Après 20 ans de transformation, alors qu'ici on a tellement copié tout ce qui venait de l'Ouest, les pizzas, les hamburgers, en passant par d'autres spécialités venues de l'étranger, aujourd'hui, nous avons enfin les moyens de trouver notre propre identité culinaire en tant que Polonais. Et nous apprécions de plus en plus les produits du pays. Mon restaurant, L'Atelier, est un laboratoire culinaire.
Sa localisation me semble idéale. Nous sommes en plein centre de Varsovie et en même temps à l'intérieur d'un parc. C'est comme un bâtiment planté au milieu des arbres. Auparavant, ici, il y avait un blues bar. Et encore avant, il y a 80 ans exactement, c'était les toilettes publiques. Ce lieu est unique. Il n'y en a pas d'autre comme ça en Pologne. L'atelier est le premier restaurant, le premier labo qui découvre et redéfinisse la cuisine polonaise en profitant de la richesse et de la diversité de ses produits. Mais surtout, en se libérant du carcan des recettes trop classiques. Cette démarche est audacieuse en Pologne. On a du sarrasin ? Lequel, le grillé ? Oui, celui-là. Parfait, on en a. Quand j'ai commencé, la gastronomie ne ressemblait pas à grand-chose en Pologne. Enfant, on me disait que si je ne travaillais pas à l'école, je finirais cuisinier. C'était l'état d'esprit de l'époque. Le cuisinier n'était rien d'autre que le mauvais élève, sans talent. On mettait à la cuisine, seulement pour qu'il fasse quelque chose de sa vie. Pourtant, aujourd'hui, je considère mon travail comme une mission. Une mission en faveur des Polonais et de la gastronomie polonaise, qui est encore mal exploitée. Je me suis d'abord penché sur les anciennes recettes, qui ont été une source d'inspiration. Puis je me suis servi des techniques actuelles. En fait, je préparais des plats en me servant des avancées scientifiques d'aujourd'hui. Et cette vision pionnière se trouve encore aujourd'hui au centre de mes activités, au cœur de ma cuisine. On profite de l'envie d'expérimenter du chef et de ses connaissances. Il crée en permanence de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de nouvelles recettes. C'est passionnant de découvrir ce nouveau style de cuisine. En réfléchissant à ce que j'aime faire, mais aussi à la culture de la cuisine polonaise, je me suis rendu compte que la vodka faisait partie intégrante de la tradition culinaire de mon pays. Bien, je vais te montrer ce que j'ai apporté. Des choses que tu n'as peut-être jamais vues. Des bouteilles qu'on goûte rarement. Tadeusz est connu pour produire la meilleure vodka de Pologne. Il se trouve que la pomme de terre qui sert à produire la vodka peut avoir des goûts, des arômes et des caractéristiques différentes en fonction des récoltes. Exactement comme la vigne, la patate est sensible à la météo, à la pluie, au soleil, à la terre et à tout ce qui intervient durant sa croissance. Or, grâce à la distillation, tous ces arômes et saveurs peuvent être enfermés dans une bouteille. Bon, j'ai une idée de plat pour le déjeuner. D'accord. Alors donne-moi quelque chose à faire. Alors, on va faire un plat à partir d'ingrédients de saison, évidemment. Donc du chou, des noisettes, de l'estragon, de l'herbe de bison et du fromage de chèvre. Parfait, ça paraît très simple. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le fromage de chèvre. Et d'où il vient ? Eh bien, je l'ai acheté au marché à la halle Mirowska. Pour le plat avec le fromage de chèvre, on va utiliser de l'herbe de bison qui est moulue, puis mélangée avec de l'huile de pépins de raisin. Nous l'utilisons pour aromatiser le roulé de fromage de chèvre. Tu le fais brûler ? Ouais. Tu sais, dans les recettes traditionnelles, on fait frire le fromage de chèvre. Avec des figues ou bien avec du bacon, ça dépend. Mais là, tu le grilles seulement à la surface. Ouais, ça réveille les arômes. C'est bon, là, ça suffit. On va pouvoir commencer avec les choux. La cuisine polonaise est méconnue dans le monde. Et lorsqu'on l'associe à quelque chose, c'est toujours aux pierogi, ces raviolis de pommes de terre, ou au filet de porc. Quand je travaillais à l'étranger, on m'a souvent demandé quels étaient les plats les plus représentatifs de la cuisine polonaise. À chaque fois, je réfléchissais longuement et pourtant, j'étais incapable de trouver un seul plat à citer.
En revanche, je pouvais facilement énumérer une liste interminable de produits. Ça sent très bon. Allez, on va rajouter un peu d'estragon. Alors, je me suis dit que si j'étais capable d'énumérer un choix extraordinaire d'ingrédients, je devrais pouvoir créer de la haute cuisine à partir de tous ces éléments. Et là, j'ai commencé à imaginer la cuisine polonaise d'aujourd'hui, à partir de rien. Voilà, et pour la fin, pour retrouver une belle couleur verte, on ajoute de la chlorophylle. Où tu l'as trouvé ? Eh bien, on la fabrique nous-mêmes. Par exemple, on blanchit du persil dans de l'eau bouillante, ensuite on le refroidit dans de l'eau glacée et on le mixe. Maintenant, pour apporter le goût de noisette, on prend ces mêmes noisettes, on les passe au four, toastées et puis moulues. Et quoi d'autre ? Les fleurs, à la fin, les fleurs de roquette. Très joli. Eh oui, un vrai feu d'artifice en bouche. Et qu'est-ce qu'on va boire avec ? Cette vodka à la rose ? On va plutôt essayer celle au houblon pour voir si ça va bien ensemble. Ah oui, c'est très bien. Je pense que ça rehaussera ces notes d'herbe et de noisettes. Pendant des années, j'ai essayé de comprendre en quoi consistait la cuisine saisonnière. Car selon la division classique, elle est liée aux quatre saisons. Mais mes expériences à moi m'ont amené à la conclusion que cette division n'était pas suffisante. Au-delà de ça, j'ai eu envie de tout connaître sur les richesses de la nature présentes dans la cuisine polonaise. J'ai donc créé mon propre calendrier qui divise l'année en 52 semaines et qui divise également l'environnement en territoires. Car le fleuve, le lac, la mer, la forêt, la prairie, la ferme, les montagnes, chacun de ces territoires a sa propre spécificité. Donc je me suis mis à tout cataloguer, semaine par semaine. Actuellement, nous sommes en semaine 37. Et dans la semaine 37, il y a un peu plus de 380 produits disponibles. C'est à partir de cette base que nous composons le menu et nos nouvelles créations culinaires. Le produit est la base, la clé de tout ce que je fais. Il me faut d'abord mettre des dizaines de produits sur la table pour que le processus de création puisse s'amorcer. Dans ma cuisine, il y a pas mal de choses qu'on ne trouve pas chez le marchand. Nous sommes donc obligés d'aller les cueillir en forêt. Salut. Salut, ça fait un bail. J'ai trouvé quelques bons endroits pour les champignons. Mets des bottes et on y va. Parfait, la saison des champignons commence. On va enfin pouvoir cueillir quelque chose. Nous sommes dans le parc national de Campinos. C'est la nature à l'état pur. ...70% du territoire polonais est recouvert de forêts. Et pour moi, la cuisine polonaise, c'est la forêt. La cueillette est un moment où je puise beaucoup d'inspiration, où naît une partie de mes plats. On observe, on palpe, on sent, on goûte. Ensuite, les idées arrivent. Regarde ces baies, elles sont très mûres. Ouais, mais les vertes sont superbes aussi. Ça, c'est une bombe aromatique. Génial. C'est idéal pour la distillation. Et si on ramassait quelques branches ? Oui, on en fera bien quelque chose, on verra. Il faudra en faire une confiture. D'accord, on cherchera.
Les baies de genévrier sont très aromatiques. Elles n'ont pas encore eu le temps de noircir ni de durcir, bien qu'il y ait déjà une partie qui soit plus sombre. Mais pas ces baies vertes là. Il existe une recette de confiture traditionnelle à base de baies vertes de genévrier extrêmement forte. C'est formidable avec du miel de la forêt, par exemple. Je travaille avec des botanistes qui m'aident et qui m'enseignent tout. Avant de cueillir, il faut tout savoir sur les herbes, les champignons, les fleurs, savoir s'ils sont comestibles et surtout comment les utiliser. Waouh, quelle bête! Magnifique! J'observe énormément. Et si je devais dire aujourd'hui, après 22 ans de cuisine, ce que je fais, je peux jurer que je suis capable de préparer un steak. Mais je peux surtout dire qu'au fil du temps, je suis devenu plus attentif et que je veille scrupuleusement aux suggestions que m'offre la nature. Si je lis bien ces suggestions, ces inspirations, je peux alors créer des plats qui sont la pure transposition de la nature. Il y a un lien direct entre ce qui se trouve dans la nature et ce que nous mettons dans l'assiette. Bonsoir tout le monde. Bon allez, briefing, venez tous. On a 37 personnes ce soir. Menu composé de 4 plats et desserts, ok? Je vais préparer un plat. D'abord, en ce moment, c'est la saison du chevreuil. Il y aura aussi les champignons qu'on a cueillis. Les cèpes. Et les herbes dont on aura besoin. Alors il y a l'achille et millefeuilles et les feuilles de la grande capucine. Dans ma cuisine, on n'utilise pas du tout le poivre. Le poivre n'existe pas en Pologne, donc il ne peut pas faire partie de ma cuisine. Ce sont les feuilles de la grande capucine ou bien les graines de nigel qui remplacent le poivre. Ici, nous avons les pierogies de betterave. À l'intérieur, nous avons la farce de sarrasin non grillé, achetée au marché, relevée avec du fromage polonais. Les pierogies ainsi formées seront l'accompagnement de notre plat. Les pierogies sont un accompagnement traditionnel. D'habitude, ils sont préparés avec de la pâte. Ici, on a voulu leur donner une allure contemporaine et surtout enlever la farine. Donc l'enveloppe est faite de betterave, ce qui est bien plus sain, d'autant plus que la farce contient déjà l'amidon qui se trouve dans le sarrasin. Je crois que l'histoire de la Pologne influence beaucoup mon travail, pour plusieurs raisons. La richesse des traditions, l'histoire, la mixité culturelle ont eu une influence sur ce que les Polonais ont mangé. Je pense aux influences françaises, italiennes, juives. D'autre part, la tradition du festin, qui consiste à profiter de la bonne chair, est totalement liée à l'hospitalité polonaise. Tout ça est inscrit dans les gènes polonais, d'une certaine manière. Alors là, nous allons utiliser une ancienne méthode de fumage. À l'intérieur, il y a du foin, mais aussi de la mousse que j'ai ramassée en forêt. En fait, nous allons enrichir ces arômes de la forêt grâce à un fumage rapide qu'on appelle « rapid smoking », qui rehausse les arômes. La viande doit maintenant reposer et je vais commencer les préparatifs pour composer l'assiette. On baigne les champignons dans l'émulsion de beurre, qui fait que le champignon cuit en entier jusqu'à l'intérieur. Il sera parfaitement tendre, mais en même temps avec une légère note de résistance, comme un légume al dente.
J'ai l'impression que le monde contemporain, c'est le temps des spécialisations. On trouve des spécialistes dans des domaines très précis. Or, selon moi, et je parle seulement pour moi, un chef aujourd'hui doit être l'opposé de ça. Pour être un bon chef aujourd'hui, il faut se perfectionner dans des tas de domaines différents, comme par exemple le food design. Mais il faut aussi des connaissances en botanique, en biochimie. Il faut également bien connaître la saisonnalité des produits, ce qui permet à un moment précis de créer les meilleures propositions de plats. Donc il y a tout un tas de choses qu'on doit connaître et que l'on doit développer. Mateusz, qui est mon pâtissier, va parler du dessert à la poire. D'abord la mousse de poire. Pour ça, on épluche les poires qu'un ami du chef a apportées. Et on en fait une purée. Ensuite, on bat pour en faire une meringue, en ajoutant de la crème battue stabilisée avec de la gélatine. C'est grâce à ça que la mousse a cette forme. On a reconstitué une forme de poire. On ajoute aussi de la chicorée séchée qui enrobe la poire et qui lui donne de la couleur. Ma manière d'envisager la cuisine est liée aux nouvelles technologies. Pourtant, mon inspiration première est la nature. Et ces ustensiles me servent seulement à montrer l'art de cuisiner de la meilleure manière. J'appelle ça de la cuisine consciente, ce qui se résume à dire que j'ai pleine conscience de la meilleure manière de cuisiner un produit et que je contrôle le processus sur toute la longueur afin de faire sortir le meilleur de chaque produit. Cette idée de dessert est liée au calendrier de la nature, où nous avons décrit et compilé tous les ingrédients disponibles comme le genévrier, la chicorée et d'excellentes poires. Ainsi que les chips faites avec cette petite poire très sucrée. Une légère note d'alcool enfermée dans la gelée à base de vodka de genévrier. Et à la fin, pour décorer, la queue de la poire en caramel enrobée dans la poudre de genévrier. Le tout pour renforcer la saveur. Une simple composition, où le caramel avec la note de genévrier se réfère aux arômes des forêts de Pologne. L'histoire a voulu qu'après des années de catastrophes, de calamités, de guerres ou de communisme, nous nous soyons repliés sur des goûts de base. J'ai la sensation qu'il faut revenir aux traditions de notre pays. Sur ce point, ce qui est le plus important, c'est de faire comprendre aux gens que la cuisine contemporaine ne va pas contre la tradition. Car les gens pensent souvent ça, alors que la cuisine contemporaine permet, au contraire, de réactualiser les produits oubliés depuis longtemps. Si nous n'essayons pas de mettre à jour tous ces produits, ces traditions, ces méthodes anciennes, comme je le fais, ils risquent de disparaître. Et je crois que je dois faire tout mon possible pour que ces références ne tombent pas dans l'oubli. Et cette mission, j'espère pouvoir la poursuivre tout en gardant une touche très personnelle.